Bonjour. Moi j'ai peur que j'ai été coupé. Hey, salut! Dites bonjour! Coucou, salut tout le monde. IQ? Moi j'ai peur que j'ai été coupé. Ah, y'a pas de son. Super, Doc OBS a décidé de nous casser les... Voilà pourquoi je voulais pas toucher à mes affaires, monsieur le patron qui vient et qui dit que tout va mal. Ah. Bon, bah voilà, c'est bon, on nous entend, ça y est. Bon, c'est... voilà. Ah. Très bien. C'est un grand moment de solitude, là. Grand blanc, pas de mot de vie, rien. Ravenov. C'est donc à moi de d'y aller? Eh Voilà, ben, tout le monde est écoute. prêt, voilà. Ok, très bien. Je vous demande juste une petite seconde. Qu'est-ce que j'avais prévu déjà? Voilà. Donc je vais me permettre d'introduire un petit peu le contexte, etc. En gros, voilà. C'est parti mon kiki. Dans les années 2050, le monde est en proie à une pénurie de ressources, après avoir vécu dans l'opulence pendant des siècles et des siècles. Mais cette pénurie a entraîné des guerres et des conflits à travers le monde. Et le 23 octobre 2077, la guerre nucléaire s'abat sur la planète Terre. On ne sait pas qui a commencé, on ne sait pas si ce sont les Américains, si ce sont les Chinois, on ne sait pas. Toujours est-il qu'après cela, le monde s'est transformé en un vaste désert post-apocalyptique, complètement irradié, rempli de bêtes mutantes. Nos quatre personnages d'aujourd'hui vont se retrouver dans l'ex-Louisiane, dans une ville qu'on nomme V-City. Que va-t-il leur arriver? On ne le sait pas. Sauveront-ils le monde ou le détruiront-ils? C'est ce que nous allons découvrir en suivant cette aventure. Bienvenue dans le JDR Fallout, les chroniques de Bâton Rouge. Bonsoir à On peut tous. s'applaudir. Bravo! Bonsoir! Sans public. Général Bonsoir. Famille, oui. Salut la foule! Voilà, il y a plein de Bonsoir. monde, il y a Fanny, il y a Elko, il y a Gull, il y a Christy, il y a Gepad. Salut! Coucou les copains! Ah, c'est Ravenov le patron ce soir, alors. C'est le maître. Oui, Oui, c'est le maître. effectivement, vous... Ah, par contre, dites-nous on est si vous entendez tout le monde correctement. Oui, on peut déjà tester avant qu'on Ok, commence. super. Moi, j'entends tout le monde déjà. C'est déjà ça, c'est une bonne Déjà pas chose. C'est pareil. C'est déjà un bon point. Alors, donc comme je vous le disais tantôt, notre aventure va démarrer dans la fameuse ville de V-City. Alors, c'est une ville qui se trouve au nord de la ville de Baton Rouge, dans l'ex-Louisiane, où se trouve, enfin, où se trouvait du moins la Nouvelle-Orléans. Et j'ai un écho chez quelqu'un, par contre. Mais je ne sais pas chez qui. Peut-être chez Fabi, même, d'ailleurs. Vas-y, parle. Hello? Ouais. Ouais. Pas bon, donc je continue. Et donc cette ville de V-City est un petit peu étrange parce que c'est une ville très très récente. Elle a émergé à peu près il y a un an. Et elle s'est construite en quelques jours à peine. Et en fait, elle a fait suite à l'ouverture d'un abri. Puisque ce fameux 23 octobre 2077, une partie de la population américaine a réussi à se réfugier dans des abris. Merde, j'entends plus Ravenoff, moi, pour ma part. Bah, il s'est coupé, mais du coup, Ravenoff! S'il se coupe sur Teamspeak, on l'entend pas. Ravenoff! Le pire, c'est qu'il fait des petits mouvements. Alors, attendez, c'est la... C'est la débandade, les petits loups. Ravenoff! Oui, je me suis coupé. Ah, mais je parle Oui, pas si tu te muet, moi, coupes en sur plus. Ravenoff, si tu te coupes sur Teamspeak, on va avoir du mal à comprendre ce que tu dis. Hein. Oui, mais j'ai pas coupé mon micro, j'ai pas coupé. Ah, mais ben si, oui, si. Bah, si, bah, oui. On Non, t'entendait j'avais coupé plus. mon son pour l'écho. Ah, mais au pire, t'as moins Ah, de. ok. Oui, mais Non, du mais là, coup, normalement, oui. j'ai changé Oui. l'activation, il D'accord. devrait y avoir moins de son.
Donc je disais, cette fameuse ville de V-City, excusez-moi, cette fameuse ville de V-City a donc éclos il y a à peu près un an, a fait beaucoup parler d'elle parce que elle s'est construite en quelques jours à peine. En fait, elle a fait suite à l'ouverture d'un abri, l'abri 525 qui se trouvait dans la région. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le 23 octobre 2077, cette fameuse date de la guerre nucléaire, les abris ont permis à quelques individus américains de se réfugier dans les abris pour se prémunir voilà, pendant normalement plusieurs décennies, voire des centaines d'années, de l'hiver nucléaire. Et alors que nous sommes à peu près en 2150, C'est donc, les gens sont sortis de cet abri, ont construit une ville qui est devenue, qui a fait beaucoup de bruit, puisque elle avait des murs, elle avait même des arbres, de l'herbe, enfin c'était parfaitement incroyable, et donc elle a attisé beaucoup de curiosité dans les premiers temps. Et alors, que ce soit justement par curiosité, par besoin, pour une urgence, pour une toute autre raison, pour, simplement pour commercer, vous êtes allé il y a à peu près 2 semaines à V-City. Comme c'était pas la porte à côté, vous avez fait une halte. Et d'emblée, l'ambiance de la ville vous a paru curieuse. Et on vous a dépossédé de vos armes, on vous a désinfecté, un petit peu contre votre gré, hein, on peut le dire. On vous a remis un uniforme. Donc vous n'avez plus rien, vous êtes dans cette ville. Et à la rigueur, même si vous vouliez partir, pour des raisons qui peuvent se comprendre, vous avez certainement autre chose à faire à l'extérieur des murs de la ville. Malheureusement, il y a quelques jours, une quarantaine a été décrétée sur la ville. Pas exactement pourquoi, il y aurait une épidémie. Et voilà, à peu près où vous en êtes. Et notre histoire va démarrer. Donc, comme je le disais à V-City, mais plus exactement, voici V-City, un petit aperçu de la ville. Voilà. Du moins d'une partie de la ville. On est censé voir. Il y a des arbres, c'est très beau. Oui, on est censé voir. Oui, parlons. Il faut que tu dépasses. Oui, merci. Voilà, vous êtes censé voir là, maintenant. Voilà, là, vous voyez. Oh. Voilà. Oh. Oh. Bienvenue. C'est bucolique. Bienvenue. Donc à V-City. Ah, oh, c'est top. Il y a écrit habitation dessus. Oui. T'as vu ça, il y a des mots et tout, c'est incroyable. Et donc, votre histoire démarre. Vous êtes dans un endroit particulier puisque vous êtes dans le réfectoire qui se trouve ici. Oula. Voilà. Vous observez bien. Le personnage s'y trouve, vos petits bonhommes. Normalement, vous avez les droits dessus. Vous pourrez déplacer. Voilà. Donc, je peux même dire où se trouvent vos personnages. Il y a un personnage ici, donc qui doit être le personnage de Fabi. Et le personnage de Romanox ici, Olson. Le personnage d'Aurélink, donc qui s'appelle Edward. Et le personnage dans sa place, qui s'appelle Rodic. On est tout Rodic quand même. Par rapport au truc. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que l'image, c'est la seule image de réfectoire que j'ai trouvée, et que les gens sont immenses dessus. Voilà. Voilà. Et en fait, ils sont intégrés dans l'image même, en fait. Donc, c'est l'heure du repas du midi. Et vous remarquez que ça fait déjà quelques temps, hein, mais votre ration d'eau et votre ration de nourriture, en plus, ce ne sont que des légumes, quasiment, avec un tout petit bout de viande, s'amoindrissent jour après jour. Alors, est-ce une conséquence de la quarantaine ou autre ? Toujours est-il que dans le réfectoire, les gens ne sont pas très bien contents. Et là, à ce moment-là, il y a 2 gardes qui rentrent. Et ces gardes font une sorte d'appel et vous appellent tous les 4. Et vous disent que vous êtes attendu à l'infirmerie pour un dépistage et un vaccin. Donc voilà. J'aime donc, pas le vaccin. je vous laisse la parole. Vous êtes dans le réfectoire, sachant que vous pouvez aussi explorer le réfectoire. Toutes les parties du réfectoire ne sont pas encore visibles. Il y aura donc 2 phases de jeu. Une phase plus d'exploration, etc., ce qu'on va surtout faire pour l'instant. Selon vos déplacements, ça découvrira des zones ou pas. Voilà, donc... Et à vous de voir. Donc, vous êtes appelé à l'infirmerie, les gardes vont certainement vous escorter. Noël, il n'y aura pas de toucher rectal. Voilà, non, il n'y en aura pas, normalement. Voilà. Non, plus bouger, là.
Oui, vous pouvez bouger et interagir avec les gardes, voilà, c'est vous qui voyez. Maintenant, toutes les cartes sont en main. Si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, n'hésitez pas à poser des questions, je vous dirai ce que vous êtes censé savoir. Il n'y a pas de jeté de dés pour avancer. Ok. Rien. Non, là vous êtes libre de vous déplacer. Alors on peut faire un peu chacun son tour si vous voulez. Ouais. Si vous préférez, ça peut être plus simple, on commence dans l'ordre et puis... Ouais, ça paraît voilà. Mieux. Ça me paraît mieux, bon, on va faire comme ça. Donc du coup, il me semble que, d'un point de vue... Alors j'ai perdu mon post-it. Ah bah bien. Que dans l'ordre et vu le... Il nous a fait faire, et pour que vous le sachiez, il nous a fait faire des débriefs et tout, avec des post-it de partout, et c'est lui qui a paumé le sien, quoi. Bah tiens, celui-là. Non, je sais que c'est à Fabi de commencer, parce que c'est lui qui a la plus forte valeur qualitative, on va dire. Pour les autres pendant ce temps. Moi, j'irais bien voir un garde pour lui dire que de toute façon, je sors régulièrement de la ville et que si j'étais malade, je serais déjà tombé malade. Donc le garde te regarde et dit : ça m'étonnerait que là, depuis un moment, vous sortiez de la ville puisqu'on est en quarantaine. Ah oui, mais c'est pas parce qu'il y a une quarantaine qu'on peut pas sortir. Alors là, un peu couillon, toi. Parce qu'à mon avis, vous prenez un bon coup de mitrailleuse dans les fesses. À mon avis, vous pouvez y aller, vous toucher. Alors, revoir vos défenses, alors. Non, mais bon, d'accord, oui. Ouais, j'aimerais bien voir ça. Toujours est-il que vous discutiez pas, écoutez. Avec une petite piqûre, c'est rien, quoi. Tout le monde l'a fait, même moi. Ouais, mais... Moi, j'ai aucune confiance dans ce que vous mettez dans la seringue, donc il est hors de question que je me fasse piquer. Vous verrez avec les docteurs, j'en sais rien, tout le monde l'a fait, c'est obligatoire, parce que voilà, apparemment il y a une épidémie. Et sans ça, on peut pas sortir Si on se fait piquer, est-ce que ça. On a le droit de passer outre la quarantaine et de sortir de la ville? C'est le protocole. Moi, écoutez, je suis pas au courant. Les gens sont coincés là. Moi aussi, je suis coincé là. De toute façon, c'est comme ça. Qu'on me pique et qu'on n'en parle plus, alors. C'est le superviseur qui... le prochain... Ouais, en fait, dans l'ordre. Attends, je vais me déplacer pour aller vers un garde. Genre celui-là, là. Tac. Alors, le truc, c'est qu'on a Edward et Olson qui ont la même séquence, donc il faut déterminer qui parle en premier entre vous deux. Peu importe, on va laisser le ghoul en premier. Vous n'avez qu'à lancer 2D6 par exemple, et on verra qui c'est qui a le plus gros score, et comme ça on remettra l'ordre. Donc ce sera donc Edward qui jouera après Fabi. Sauf que Christy, je veux bien, mais c'est le seul le truc internet, c'est le seul qui faisait pas de son. Hein. D'ailleurs, petite ambiance, okay. Excusez-moi. Donc, Auréline, si tu as quelque chose à dire ou à faire ou à regarder, quoi que ce soit. Moi, je ressors. Qu'est-ce que c'est le petit truc au milieu bleu et blanc là? Un chariot C'est un chariot, je pense, pour que les gens mettent leur plateau dessus. D'accord. Sachez que là, on vous met dans l'ordre. Hein. N'hésitez pas à interagir autre chose. C'est pour vous forcer à y aller, en fait, à vous jeter dans le truc. Mais l'idée, c'est aussi de. D'interagir entre vous, c'est pas vraiment chacun son tour. Si quelqu'un a une idée, on se connaît pas. Tout ça, on se connaît pas. Oui, voilà. Donc on va pas parler ensemble pour l'instant. Exactement. Vous allez vite vous connaître, rassurez-vous. j'ai un peu faim en fait. Et du coup, j'aimerais bien casser la croûte. Le problème, c'est que t'as déjà. J'ai déjà mangé. voilà. Et en fait, c'est normal que tu aies faim parce que t'as fini en 2 minutes, quoi. Voilà. D'accord. Parce qu'il n'y avait pas grand chose à manger. D'accord. Donc le rab, on oublie. Je vais me diriger également vers un garde. Les choses que vous voyez là, hein, indicatif, bien comme ça, ou comme ça, ce sont des portes. Voilà, ces choses-là, ce sont des portes. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mais normalement. Oui. Donc tu te déplaces vers la garde. Je me déplace vers la garde et je lui demande si après avoir fait cette piqûre, est-ce qu'on pourra récupérer nos affaires, nos effets personnels. Alors j'ai pensé à toi, mon petit chéri. Ah. J'ai pensé à toi parce que je me suis dit, c'est vrai qu'on n'a pas décrit d'ailleurs nos personnages un petit peu, j'étais censé faire ça, je suis navré.
Parce que Henry Link est quelqu'un qui porte normalement constamment un masque à gaz. Et je me suis dit que s'il n'avait pas son masque à gaz à ce moment-là, alors qu'on vous a retiré toutes vos affaires, il serait pas forcément très très content. Je suis un peu nerveux, je t'avouerai. Voilà, donc je me suis dit qu'on aurait pu te le laisser. Donc, pour déterminer si t'es plus ou moins nerveux, de fait, j'aimerais que tu lances un dé de speech, s'il te plaît, donc de discours que tu as, pour voir si tu as réussi à ton arrivée à V-City à convaincre les personnes. Garde, voilà, il me semblait que ça pourrait être pour déterminer un peu si tu as toujours ton fameux masque. D'accord. Voilà. Donc, est-ce que tu te souviens combien tu lances le dé un dé 100, donc en fait, tu vas aller dans ta fiche personnage. Un dé de 100. Ah, je lance pas un dé de 100 comme ça? Non, non, tu vas, ce sera plus simple, comme ça te comparera tout de suite. Tu vas dans ta fiche, tu vas dans l'onglet Skills. Donc pour les viewers, vous comprendrez, quand Fabi le fera, on lui demandera un dé, c'est ça, mon soupeux. Ouais. Et tu dois avoir une compétence speech qui, d'ailleurs, fait partie des spécialités. On attribue l'habilité, hein, si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui, Skills, caractère... ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et t'as un petit dé, en fait, juste à gauche du... vers la fin, hein. Pour ordre alphabétique, il me semble. Tu. Ah non, ça charge. Ah. Skills, speech, oui, ça y est. Donc là, je clique sur le dé à gauche. Ouais. Hein. Tu n'as pas réussi. Non, c'est un 9. Tu n'as pas réussi et ils t'ont retiré ton masque et donc tu peux essayer de le masquer avec autre chose si tu veux, mais pour retirer ton masque, donc t'es pas content du tout, quoi, même. Je suis pas très content et au final, ma question, est-ce qu'il y a vraiment une chance de récupérer ces affaires ou elles sont brûlées, jetées hein? Je pense que oui, il peut avoir une chance. Il y a possibilité que je les retrouve ensuite. Donc je suis pas content, je vais me rasseoir à ma table. Tac. Le rebelle Olson, est-ce que tu ouais. as quelque chose à... C'est que bon, bah, cette nourriture m'en occupe pas beaucoup, parce que c'est pas vraiment une alimentation de base. Mais plus quinoa. Exactement, je suis plus habitué à manger des graines. Donc moi, je vais m'approcher d'espèce de machin là qui a... C'est je vois ce que c'est, ce que je fais, c'est une table. Des armoires. Une armoire bleue. Les poubelles pour jeter les petits déchets. Ouais, vas-y, fais. Moi, c'est pas incompatible avec une goutte. Il est ici, là. Et moi, je voudrais savoir quand est-ce que la quarantaine va finir, en fait. Je demande ça au garde, par exemple. Par exemple. Alors. Faut tu lui demandes ça tel quel ou. Je lui demande ça tel quel, ouais. Voilà. Je sais pas, j'en ai aucune idée. Moi aussi, je préférais qu'on soit pas en quarantaine, je vous avouerai. D'accord. Les deux gardes sont pas super chiants, hein. Plutôt détendus, quoi. Content, mais. Cocu, mais content. C'est ça. Ouais. Bah, Anza, c'est normal qu'on n'entende pas, Fanny, il a pas parlé encore. Oui. C'est Romano. Ouais, c'est d'ailleurs autour d'Anza Place, si tu veux faire quelque chose, vas-y. Ah bah tout à fait. Tu te dis, ça fait un an et demi qu'on est là? Non. Ça fait à peu près 2 semaines. Deux semaines. Peut-être un petit peu moins, voilà. Ça fait deux semaines, vous n'êtes pas forcément tous arrivés en même temps. Hein, alors 2 semaines qu'on est là, et c'est maintenant qu'ils nous disent qu'il y a un vaccin pour le truc, quoi. Pour pouvoir sortir. C'est pas un vaccin pour sortir. C'est un vaccin pour vous empêcher d'être malade et que l'épidémie se répande, apparemment. Ouais, mais la quarantaine, c'est à cause de ça. Oh, écoutez, monsieur, c'est un rappel, rien, c'est le rappel. À l'infirmerie. Je suis plus costaud que le mec en face ou pas? Il est armé, pas toi. Ouais, non, ça empêche, il quand même. C'est un garde, il est armé. Si je me mets devant lui, il fait un peu peur quand même. On va voir ça. Tu vas faire un... Un jet de dé, écoute, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Mm-hmm. Mais tout à fait. Donc tu vas aller dans ta fiche perso, tu vas aller dans l'onglet skills et tu vas faire un dé de... Écoute, étant donné que tu vas faire un jet d'athléticisme, ce sera ton jet de physique pour voir si tu vois. Alors, attends... C'est le tout premier de la liste. Ouais, c'est...
Donc le type s'écrase. Voilà. Dit non mais écoutez monsieur, calmez-vous s'il vous plaît. On n'y pour rien. Enfin, c'est comme ça. Le médecin vous donnera plus de détails s'il vous plaît. Bah ramenez-moi au médecin. Bon bah on y va. Il faut que vos quatre collègues viennent avec nous. Donc les messieurs Roddy, Olson, Edward et Vosgarak sont demandés à l'infirmerie. Vous nous suivez. Ouais. Voilà. Très bien. Donc on est parti pour l'infirmerie. Tout le monde est d'accord. On y va. Nous y allons. Alors. En chantant. Tra la la la. Je peux rendre mon masque. Vous voilà à l'infirmerie, donc dites-moi si. Je vois. Ah. vous êtes à l'infirmerie. Les gens sont un peu plus à la bonne taille cette fois-ci. Donc le garde s'avance, voilà, il vous a fait rentrer et tout. Est-ce que c'est bon, je peux vous laisser, vous allez vous en sortir, tout va bien ? Oui, madame. Vous allez à l'accueil, on va s'occuper de vous. Bien. Voilà. Donc le garde s'en va. On s'est piqué dans le sens. Vous jouez. La famille. Bon, bah, moi j'avais dit que je voulais être piqué et que je voulais plus en entendre parler, donc je me pointe devant. Je sais pas, il faut aller voir une infirmière, un gars pour avoir sa piqûre. Comment ça marche ? Pour les sièges en bas. Le garde vous a dit que vous allez à l'accueil, donc. Ah. Par contre, tu m'as pas donné l'accès à mon bonhomme. C'est vrai ? Oh, c'est bizarre ça. Bah si pourtant. Pas de bonheur. Ah ouais si. Ah, moi je peux. Ok donc je vais voir l'infirmière. Je vais voir l'infirmière et je lui dis bon allez hop je veux ma piqûre, on n'en parle plus et débarrassez-moi de ça. Et bonjour. Et les autres messieurs, ils sont avec vous aussi. Approchez. Bah, attendez j'ai un souci c'est que tout le monde se plaint qu'apparemment c'est irregardable. C'est vrai ? Ah bon ? Ben, je sais pas, j'ai rien changé par rapport à d'habitude et. Le relancer ? D'un coup. Sur le retour, moi, ça a l'air d'aller. Moi, c'est pareil, j'ai aucun problème sur OBS. Je vais couper, je vais essayer de.